Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Civ Simulator 2. Donc dans l'épisode précédent, on avait bien avancé, puisque on avait appris à crocheter, etc. Regardez, je vous montre comment je vous montre. Comment je vous montre déjà? Ah oui, là. Compétences, donc regardez, on est niveau 4, bientôt niveau 5, on a appris également le vol à la tire. Alors ça, je sais pas trop comment ça marche, pour être honnête. Oh! Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Alors ça, ce serait une compétence active, ok. Niveau 10, ça serait bien, ça. Et pas de bruit, ok, donc il y a de compétences actives, apparemment. Oh, niveau 5, j'aurais le choix entre... Entre soit ça, le crochetage de niveau 2, je pense que je vais prendre le crochetage de niveau 2 en vrai. Parce que... Ouais. Ça me paraît un petit peu mieux pour être franc. Je regarde un peu, mais ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok, donc là maintenant, ben, on va voir ce qu'on va faire. On doit photo... Et photographier la cuisine au 105. Bon, on va aller voir ici. Attendez, est-ce que j'ai des choses à déposer peut-être? J'ai des clés. J'ai le drone, ça je vais le garder. Ok, bon, on va aller dans le 105. J'ai combien? J'ai pas d'argent là sur moi-ci. J'ai un petit peu, ouais, j'ai 300 boulasses. Pas aller loin avec ça. Je vous le dis, on va pas aller loin. Donc on va aller. Alors ici, est-ce que j'ai des choses à faire? Ça, je l'ai déjà fait, apparemment. Ah non, faudrait que je le détruise, donc... Ça peut être un truc que je peux faire aussi au 103. Tac, ici. Alors, au 105, on a dit. Hein. Au 105... C'est ici. Alors là, je peux avoir ça et ça. D'accord, le client arrive à 16h et repart à 20h. Le chien est sourd. Oh, c'est bien ça. Le chien est sourd. Ça, c'est intéressant, je suppose. Donc on va voir, on va aller au 105 les amis. Par contre, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que je suis un petit peu cramé là-bas, pour être franc. Mais ouais, en vrai, au 105, si le mec est vraiment, comme ils disent, est pas là pendant, genre limite toute la journée, c'est vraiment bien. Alors, par contre, attends, est-ce que je vais faire, est-ce que je peux dégager... La... Ouais, l'autoradio, on vire, au cas où. Alors, attendez, par contre... En même temps, il y a elle, là. Attendez, regardez. Admettons. Je vais essayer de lui faire les poches. Le truc, c'est que je sais pas, en fait, vous voyez. J'ai l'impression... Qu'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Les commandes, c'est quoi? Lunettes nocturnes, téléphone, lampe torche, ouvrir, section rapide. Ah, d'accord. Ah oui, on peut faire ça. Ah oui, c'est mieux en fait. Bon, on va au 105, les amis. Le 105. Attendez, comment j'en ai en voiture? Qui va être à droite, probablement. Qui va. Probablement être... Attendez. J'ai quoi? J'ai 106. Ouais, donc ça va être là-bas. Peut-être par là, là? 105 ici. Excellent. En plus, j'ai un parking juste à côté, les gars. Ah, c'est là? Ok. Alors, je dois faire une photographie de la cuisine. Alors ça, je sais pas trop comment ça marche pour l'instant. Ouais, déjà... Alors, il est quelle heure, là? Il est minuit. Donc s'il est minuit, ça veut dire que potentiellement, il n'y a personne dedans. Attendez, avant de rentrer, je vais juste me mettre là. On va regarder les... Ouais, on va regarder... oui, c'était ça que je voulais. Hop, les compétences. Non, les notes. 105, voyons un peu. Niveau suggéré. Donc 102, j'ai tout fait, c'est ça? Ouais, assez bien ça. Par contre, qu'il me le note ici... Oh, mais attendez, hein. Il y a trois... Ah non, ok. Donc il y a deux bonhommes.
Attendez, parce que là, il y a deux bonhommes, les amis. Alors, le chien, où il est déjà? Ah, c'est vrai que je pourrais monter après au par ici. Ouais. Là, je peux pas ouvrir. Prenez une photo de la cuisine. En plus, la cuisine, elle est en hauteur. D'accord, donc là, je pourrais ouvrir ici. Juste faire le tour vite fait. Vous voyez? Oup, 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 oup. Il y a une voiture qui arrive là. Parce que là, en fait, avec agilité, je pourrais monter direct à l'étage. Et ouais, il me faut décrocher. Et bon, ça, j'ai pas. Donc, on va essayer. Attendez. On va essayer. De rentrer là tout doucement, vous voyez. On va essayer déjà de trouver s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un. Alors, je vous. Je pensais que c'était de la thune, ça. Au revoir. D'accord, donc là je peux monter. Alors lui il dort. Donc là il dort jusqu'à quelle heure? 5 h du matin. Enfin, même 6 h en gros. Donc il me reste 3 heures. Alors, comment est-ce que je prends en photo, les gars? Comme ça. Ouais, caméra, c'est quoi? Utiliser. Et ça, il m'appelle maintenant, lui. Je vais prendre quand même quelques trucs. Pendant que je suis à côté. Prendre ce qui me fait flipper, moi, c'est vraiment. Ça, je prends. Alors là, par contre, on s'introduit avec le client à côté, les gars. Je suis pas serein. C'est pourri sa maison. Est-ce qu'en vrai, je resterai pas dans sa chambre, genre? Les poches, voilà. Et le truc, c'est que je sais pas comment ça marche en fait. Ça, vous voyez, c'était dangereux. En plus, là, il fait nuit. En vrai, après, en soi, j'ai fait ce que j'avais à faire ici, donc. J'ai un sac plein. Je pense que je pourrais me tirer, tu vois. Et peut-être ce que je peux faire. Oh! Et peut-être ce que je pourrais faire, vous voyez. C'est de mettre. Ok, c'est bon, allez. On va pas grid. Pas grid plus, on va juste sortir tranquille, tu vois. Ouais, le sac est plein de façon, donc. Hop. Oh, attendez. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre ici? Allez, on dégage. Donc, c'est quoi la quête? Ok, là en fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre une. Oh bah attendez. Ah, attendez, regardez les gars, l'idée de fou que j'ai. Regardez, hein. On va aller dans le Quick Bay. Tac. Et on va acheter. Ah, je peux acheter que ça?
Mince. Alors. On va acheter, les amis. Pardon, une caméra. Pour mettre au 105 pour voir en fait un peu les. Les. Comment ça s'appelle? Les habitudes des bonhommes. On va voir un petit peu comment ça marche aussi. Alors là, par contre, j'ai beaucoup de choses à vendre. Alors, petit vase, on met ça là. Le porte-couteau, on met là. Ça, on met là. Ça, on met là. Ça, on met là. Et ça, on met là. Voilà. Et peut-être qu'après, j'aurai des choses à faire. Alors, il faut que j'achète. Attendez. J'ai des choses à faire avant. Le Black Bay. Alors, est-ce que le Black Bay, j'ai fini des choses ou pas là? Ouais, vous voyez, j'ai un porte-couteau, mais il me faut un grille-pain aussi. Ok, bon, bah, c'est dommage. Là, niveau téléphone, je crois qu'il en manque deux. Un, pardon, ouais, c'est ça. Ok, là pour l'instant je pense que j'ai rien. Mais bon, on va voir ça après. De toute façon, c'est pas gênant, gênant. Hop, non, j'ai rien du tout. Bon, bah tant pis. Donc là maintenant, je peux juste aller vendre ça dehors, ici. Tac. Là, le mec, il va criser, les gars. Vendre tout, hop. En vrai, ça vaut rien, hein. 30 balles, 45 balles, 90 balles. En vrai, 90 balles, ça vaut juste deux fois plus cher et ça pèse trois fois plus. C'est un peu de l'arnaque, tu vois. En vrai, après, bon, ça fait de la thune, hein, je dis pas. Sachant que là, en plus... Mince, comment j'ai fait? Ah oui. Sachant que là, en plus, j'ai des choses, vous voyez, qui attendent. Donc, je dois acheter quoi? Crochetage de niveau 2. Ok, crochetage de niveau 2, c'est où? C'est là? Ouais, apprendre, tac. Ok, ça, c'est appris. Et il me faut 3 crochets. D'accord. Alors, 3 crochets, ça serait sur l'ordi. Genre d'un peu ce qu'on a, hein, mais on a quoi là? Ok. Donc, 3 crochets. Eh ben, c'est parti. Mince, non, c'est pas Black Bay. C'est... C'est où? Attendez. C'est à Rob Tips? Non, c'est pas là. Hein. Mais là, en vrai, par contre, je pourrais avoir des infos ici. Ah, c'est ici? Donc, 3 crochets, il me dit. 1, 2, 3. Ah, parce que moi, j'ai quoi? Ah oui, ça, j'ai le truc de base. Et là, après, j'ai ce crochet-là, d'accord. Après, ça prend le pistolet. Ça a l'air cool, en vrai. Ça coûte cher, mais ça a l'air cool. Hein. Un coupe-verre, alors après, ça, je pourrais... Mais je vais prendre une micro-caméra. Voilà. Et on va aller au 105 et on va déposer le truc. Ok. Apparemment, je vais aller en prison. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Crochet niveau 2. Alors, comment ça marche? Ah oui. Utiliser les boutons affichés pour déplacer le crochet, baisser la goupille. Une fois qu'elle est en bas, bloquer dans cette position. Ne faites pas ça si elle n'est pas bien en bas, sinon le crochet cassera. Ah, ok, j'ai compris. Ok, en vrai. En vrai, c'est pas compliqué, en vrai. Hein. Là, tu fais ça, hop, et c'est ouvert. Ok. Bon, pas dur. Sur 116. Un poste de police, les gars. Ok. Toutes les infos sur 116. On va acheter ça. Le poste de police, les gars. Vous êtes sûr? Parce que moi, je suis pas certain. En vrai, par contre, je pourrais acheter ça et ça. Guitare acoustique, aspirateur, ok. Et au 116? Waouh. Il y a plein de trucs. Hein. Prêteur sur gage. Ah, mais ça coûte cher. What the fuck? Ouais, donc là, il faut que je vole un peu. Là, faut que je vole un peu, là. Il y a 3 caméras. Ok, bah, il me faut, en vrai, des infos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au 105. Parce que, pour le coup, je me dis, avec ma caméra, ça pourrait faire le taf. Genre, je pose la caméra.
Et comme ça, je peux voir un petit peu ce que ça fait. Mais bon, après, pour être honnête, c'est pas forcément easy, quoi. Donc le 105, il était, je sais plus où. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est s'il y a des affiches me concernant. Il reste plus qu'une après. Bon. Le truc, c'est que je sais pas où aller. Ah bah 105, on est là, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une caméra. Et on va voir ce que ça donne. Là, pour le coup, je sais pas comment ça marche. Donc, alors, j'attends que lui, il passe, pour le coup. Donc là, j'en ai un là-bas, vous voyez. Allez, avance. Donc là, j'ai mis la micro-caméra et il est quelle heure? Il est 10h. On va attendre jusqu'à demain 10h du coup. On va voir. Et peut-être que ça va me fournir assez d'infos, vous voyez? Parce qu'il y avait quand même pas mal de pièces. Là où j'avais rien, voilà, où j'avais rien pu faire. D'accord. Donc là, est-ce que ma micro-caméra a les infos ou pas déjà? Ok. Ok. Parce que là, il me manque un peu d'argent, donc je me dis. Alors attendez, ça pour le coup, voyons un petit peu les notes au 105. Ok, donc en fait juste tu dors tout le long. Enfin, tu dors hors de la maison, d'accord. Donc lui, il est... Alors en vrai, entre... En vrai, entre 23h et 6h, il n'y a personne. Entre 23h et 6h, il n'y a personne du tout. Donc là pour le coup on va se faire plaisir les gars. Entre 23h et 6h, c'est parti. Eh bien, on va passer le temps, du coup. On va aller jusqu'à. En vrai, on va aller à 22h, je pense. Comme ça, 22h, hop. Je bouge. Et on devrait être bon. Alors, c'est parti, les amis. Il est 22h. Donc là, 22h. Ok, donc là, j'ai lui. 22h, il va là-bas. Et après, il va dormir. Donc en soi, je pourrais limite déjà rentrer dans sa maison. Quoi qu'après, attendez, j'ai. Vous savez quoi, on va tester d'aller voir le chien parce qu'ils me disent qu'il est sourd. Ouais, mais attends, il est sourd, mais il est pas aveugle. Donc, on va tester, on va voir un peu. Donc, en vrai, c'est pas mal, en vrai. Oh, merde. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ok. On va juste dormir. Bah, à nouveau, du coup, jusqu'à 22h. Finaise, en vrai, je m'attendais pas à me faire capter comme ça. Donc, le chien, effectivement, il te voit bien direct. Hein, Après, je me dis entre 23 et 6h, tu vois, potentiellement. Je vais aller jusqu'à 23h. Et on va aller. Comme ça ici. Ok, donc lui il est là. Lui, il est où lui? Bah lui en théorie il devrait aller dormir. Donc lui il va là-haut. Ok, c'est bien ça.
Donc là, c'est parti, on va commencer à tout fouiller, les gars. Alors là, on est où là? Ah zut. On est où là? Et donc là, il y a le chien, faut faire gaffe en vrai. Je fais gaffe au chien. Oh, regardez ça. Après, disons, je vais jeter ce qui ne m'intéresse pas. Donc, ok. Donc là, jusqu'à 6h du matin, les gars. D'accord, et donc après, en fait, tu reviens ici. Ok. Ah oui, donc le mec, il laisse 50 balles comme ça, ok. Va se fêler. Un routeur, ça, je sais que j'en avais besoin. Alors, je sais plus pourquoi, mais... Et là, je sais que je suis bien plein déjà, donc... Après, ce que je vais faire, c'est retourner à la voiture. Après, attendez. 6h du matin? J'ai un peu de temps, en vrai. Hein. Là, j'ai un truc ici, un aspirateur. Merde, mon sac à dos est plein. Alors ça, ok, ça, j'ai pas de valeur, ça, on sait, attendez, ça, on sait pas, le vase fêlé, le drone, mince, ah là là, et il manque combien? Il manque pas beaucoup en plus, bon, attendez, on va du coup en profiter pour voler. Ce qu'il pourrait y avoir... Là, je me dis genre argent et autres. Cool. Portefeuille en cuir. Et ça, vraiment, je sais pas comment ça marche, hein, les gars. Alors là, ici, j'avais rien à prendre de mémoire. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de la maison. Ok, attendez. Peut-être dans la salle de bain, il y a quelque chose. Non. Aussi, tiens, un petit peu de thune. Et là, il me faut juste de la place pour l'aspirateur, en vrai. Et je pense que j'aurai le temps. Ça, je l'ai pas fait, donc peut-être que là... Vous voyez? Après, en vrai, s'il me reste que l'aspirateur à prendre... Pour être honnête, je... Ouais, je pourrais attendre ou quoi. Par contre, il n'y a pas de vase ou quoi à voler ici? 50 balles, les gars. Ok. C'est de l'argent, ça? Voilà un petit casque, les gars. Bah, en vrai, je pense que je vais me tirer. Parce qu'il est quelle heure? Il est 2h30. En vrai, j'ai un sac quasi full. Franchement, je pense que j'ai fait le taf. Alors, attendez. On va essayer de crocheter ça. Ouais, tu vois, on revient ici. Avec... Alors, du coup, ça, est-ce que j'ai de l'argent dedans? Bah, j'ai encore 30 balles. Donc, bah, écoutez, on... Ça se fait plaisir. Bon, ben, je viendrai chercher du coup le reste après. Alors, attendez. Là, il est 3h. Ouais, mais il est 3h, mais il y a le chien là-bas. Donc, on va pas prendre de risque. Donc, là, on va retourner à la maison. On va par conséquent. Donc, maison. J'achète ce qu'il faut pour le. Comment ça s'appelle? Pour le poste de police. Et dans la vidéo, on se fait le poste de police. Et ça, je peux vous dire, les amis,
C'est pas une partie de plaisir à mon avis, donc ça à mon avis c'est assez complexe. Hein. On va voir, mais moi ça me paraît un petit peu complicado. Alors est-ce que j'ai des choses déjà sur le Black Bay déjà? Ça c'est la base, on va dire. Hop. Là je mets tout en fait, parce que je sais pas ce que j'ai besoin, je sais pas ce que j'ai pas besoin. Donc ouais, c'est un peu triste, on va dire. Hop. Alors, Black Bay, est-ce qu'il y a des choses qui sont finies? Non, cuisine, non, j'ai pas l'impression. Il manque toujours un grille-pain, il me manque toujours en fait 2-3 trucs. Vous voyez, oh si, j'ai ça, 500 balles. Ok, je prends. Donc là maintenant, ça devrait plus me le demander. Ça, c'est génial. Et par contre, je sais pas combien ça se vend, pour le coup. Les routeurs et autres. Et bien, c'est-à-dire que tout le reste, je peux le vendre dehors. Ça, c'est cool. Et moi j'ai hâte qu'on ait les braquages et tout, vous voyez, à faire. Parce que ça, pour le... Ah, j'ai une caisse enregistreuse, vendre 67 balles en vrai pour ça me va. J'ai 800 boulasses. Alors, est-ce que là, par contre, j'ai un truc que j'ai plus besoin au Black Bay? Tu vois, par exemple, j'ai deux petits vases. Un seul, ça suffit, tu vois. Je me dis... Donc on achète au 116 les amis et on va s'occuper du poste des policiers. Alors 116 c'est ouf, bah, c'est tout à la fin en vrai. Hein. C'est quoi ça? Ouais 116. Là je devrais avoir assez. Ok donc on voit qu'il y a ouah, deux policiers, deux agents de sécurité, il y a un panneau de sécurité. Donc là peut-être attention à ce qu'on se fasse pas cramer bêtement, vous voyez? Il y a une clé de porte de sortie dans la salle de conférence. Il y a trois portes de sortie. Je connais les... Ok, et après, il y a des SSD et tout. Donc, ouais, là, il y a moyen que ce soit... Ouh là 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 là. Là, il y a moyen, les amis. Ah, ok. Super. Ouais, mais si... non, je joue pas. Ah, d'accord, donc en fait, faut que je me fasse attraper par la police. Ok. mais le truc, c'est... Attendez. Parce que si je me fais choper par la police... Attendez, je vais déjà le mettre à la banque, mon argent. Parce que j'ai pas confiance, en fait, vous voyez. J'ai pas du tout confiance au... Ah oui, tiens, là, c'est vrai que... Hop. Ok, non, bah là, j'ai rien, du coup. Ça, en vrai, ça, c'est vraiment cool, hein, pour le coup. El Neighbor, qu'est-ce que j'ai là? Oh! Au 108, au 101. On accepte, hein, les gars? Oh! Regardez. On a ce genre de truc? Oh, ben, il va falloir que je retourne au 101. Waouh! Ah, ouais, là, ça m'a débloqué tellement de choses, les gars. Là, je commence à avoir des missions de fou furieux. Ah, ça fait plaisir, ça, hein. Là, j'ai quoi là? D'accord, donc là, voler des objets, voler la console portable au 110, voler jouer en forme de homard au 105. En vrai, ça, le 105, c'est pas compliqué. Hein. Ça, en vrai, c'est pas dur. Hein. Mais vous savez quoi? Je prends un petit peu, on teste un peu des choses. Je vais à la banque, je vais déposer du coup bah, tout mon argent. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, bah, on va s'occuper d'une mission. On va se faire choper, en vrai. Et puis, ça devrait aller. En vrai, même, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voler, en fait, des gens, vous voyez, dans la rue. Et on va voir ce que ça peut, bah, ce que ça peut m'amener comme problème si jamais j'arrive à voler des trucs aux gens. Parce que, c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que j'arrive à rien voler, les gars. C'est insane. Donc là, on a quoi là? Là, on est au combien? Ah bah attendez, encore moi. On est au combien là? C'est quoi ça? Ouais, ça y est, monsieur, barre-toi. Mais ici, en vrai, ça serait facile. Ça, pour le coup. J'ai l'aspirateur et tout, franchement.
Ça serait vraiment simple d'y retourner. Je cherche des gens à pied. Et à la limite, dès que je me fais choper, bah, je vous le dis. Et puis... au 106, attendez, au 106, est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai des choses à faire au 106, peut-être? Niveau recommandé 9. Ah ouais, il y a 3 bonhommes. Ouh, il y a 3 bonhommes. Ce que je peux faire, c'est peut-être déposer une caméra, vous voyez. Faut qu'on se rappelle que je l'ai posé au 106. Tout simplement. Alors là-bas, j'ai quelqu'un. Je vais essayer d'aller le cambrioler. On va voir. En fait, je sais pas vraiment, je sais pas si ça fait quelque chose ou pas, vous voyez. Bon, on va rester là, du coup, on va se faire arrêter par la police. Mais vraiment, je sais pas comment ça marche. Vas-y. Ok. On va aller en prison, parce que bah, c'est ma quête. Oh là 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 là, les amis. On va en taule, on va en taule. C'est insane. Ok, donc là, je suis en prison. Ok, et donc là j'ai des gens. Alors attendez, je peux lire ça. Alors salut, moi aussi je suis passé par ici, j'ai laissé un pied de biche pour te faciliter la tâche, collègue. Ces salauds amateurs de beignets peuvent aller se faire foutre. Ah, et tu peux aller chercher mon colis à Madison. Ok, alors ça par contre. Ah voilà, nouveau code colis, ok, ça c'est génial. J'ai donc un pied de biche ici. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dans mon coffre? Enfin, dans mon coffre. D'accord, j'ai encore un petit vase. Ok. En fait, ils m'ont rien pris. D'accord, ok. C'est noté. Bon, ben, on va crocheter ça, je pense. Hein. Attendez, vous perdez 5 XP. Non. En vrai, attendez. Y a personne? Allez, hop. Je suis en tôle, les amis. Le problème, c'est qu'il est juste là, le mec. Donc, alors, attendez, si je regarde un petit peu les notes que j'ai au 116, admettons, tu vois, parce que je me dis, peut-être quelque chose à faire, là. Alors, j'ai hors de la maison. En fait, il faudrait que j'attende. Ah non, ça, j'ai toujours quelqu'un, du coup. Ce qui est logique, hein, que j'ai toujours quelqu'un. Mais en fait, à la limite, à 20h... Ouais, en fait, j'ai toujours quelqu'un, donc... Ouais. Bah en vrai, attendez, si jamais j'ouvre comme ça, est-ce qu'il va cramer, lui? Oui. Fait, faut que j'attende que lui, il dégage, en fait. Lui, c'est à 9h, il est là. Et à 10h, il est là-haut. Ok, génial. Et après, il va tout là-bas, donc de toute façon, on s'en fiche. Lui... Ok, lui, il reste en haut de ce que je vois, plus ou moins. Ah, il faut que j'aille libérer là-bas, c'est ça? Ok. Donc, on va attendre un tout petit peu. J'espère que... Allez, vas-y, dégage, poulet. Dégage, mon ami. Ne te fais pas prier, va. Zou. Qui va bientôt partir, là. Donc ça, dès qu'il s'en va, je vais récupérer le... C'est génial, il s'en va. Cool, c'est-à-dire que j'ai plus personne, là, c'est ça? C'est mon moment, je pense. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez! Là, ma gueule. Ok, et ouais, et maintenant? Ah, trouver la clé à la sortie. La clé à la sortie était où déjà? Ah oui, donc faut que j'aille là-haut. Oh, attendez, attendez, attendez. Alors là, par contre. Les gars, il y a des choses à voler, hein, ça je vous le dis. On va essayer de pas se faire choper. Mais regardez ce qu'il y a là. Regardez ça. Une tablette, les gars, je dis pas non. Là-dedans, j'ai l'air de rien avoir.
Là, j'en ai un ici. Bon, les gars, j'en reste tout. Je suis vraiment une raclure. Ouh là là, attendez. Est-ce qu'il descend, lui? Ouh, je crois qu'il y en a un qui descend. Vite, faut que je m'en aille. Bah, il y a de l'argent là-bas, mais pas prendre trop de risques. Alors là, faut faire gaffe parce que là, il y a une caméra. Alors attendez, est-ce que je peux le... Viens là. Ok. Donc là, dès que je peux... En fait, attendez. Est-ce que je peux... J'ai... Ok, je peux pas lancer le drone. Est-ce que je peux passer en dessous là? Pas prendre trop de risques. Juste monter comme ça. Ok. Donc là, j'ai une caméra là. Je peux aller ici. Personne. Hop. Pff, oh là, il y a lui qui est là. Oh bordel. Non, heureusement qu'il n'est pas là. Ouh. Là, j'ai eu chaud, les gars. Là, les gars, je prends tout ce que je peux. Et je ferai du tri, en fait, après. Ok, lui, il redescend. Enfin, non, il redescend pas vraiment, d'ailleurs. Bon, après, là, je suis full, donc... On va pas non plus tenter le diable, les amis. Après, il y a beaucoup de claviers, etc. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Trois portes de sortie, clés requises. Panneau de caméra. Et clé de sortie là-bas. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser peut-être? Je sais pas, hein, je dis ça. Ok. Exfiltration, les gars, maintenant. Ok, ça a pas l'air facile, facile, pour être franc. Donc là, il y a une porte de sortie ici, d'accord. Mais surtout, il y a une clé qui est là-dedans. Donc... Oh oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Et... Il y a un truc là. Attendez, tablette graphique, qu'est-ce que j'ai dans mon truc? Tablette graphique, combien ça vaut ça? J'ai aucune idée, mais c'est au Black Bay. Ça, en vrai, j'ai pas d'idée de combien ça vaut non plus. Ça vaut 200 balles, donc ça on va garder. Le téléphone en vrai, le téléphone fixe, il vaut rien. Il vaut 50 balles, franchement, je vais lâcher l'objet, les gars. On va prendre la tablette graphique à la place. Je pense que ça vaut plus cher. Ok. Donc. Ah, c'est vrai qu'il y a le SSD à aller piquer là-bas. On va y aller. Après, il y a un ordi portable en vrai. Attendez. Non, raté. Ah. Ordi portable, alors 2 kilos faudrait que je me fasse, enfin, même 500 grammes. En vrai, un clavier, je pense que je peux lâcher un objet, même 2, vous voyez. Et je pense que même les souris, tu vois, ça doit pas être si dingo, on va dire. Quoi, unbelievable? Elle a fait peur, cette conne. Hop, on a le SSD, les gars. Ah, donc là, je peux me cacher ici. D'accord, donc là, il crame même pas. Ah, ben ça, c'est gênant. Ok. Ah, c'est gênant de ouf. Putain. Au secours. Oh, ben, je vous récupère dès qu'il s'est barré, hein. Il est 14h20, les gars. On va voir quand c'est qui dégage. Mais j'espère vite. Heureusement que j'ai trouvé cette cachette, quand même. Hein, parce que sinon, j'étais dans...
Dans la sauce, ok, il s'en va. Ça me rassure un petit peu. Entre, il va là-bas, ouais, mais. Ok, ça va là-bas. Ok, on a quoi là? La sortie, les gars, je l'ai. Ça, je peux pas gérer. Et je sais que j'avais une porte. Là-bas. Fuck! Putain, j'avais tout bien fait, les gars. Ah, je suis deg. Là, en vrai, je suis dégoûté de ouf. Allez, c'est parti, on essaie de sortir, les gars. Regardez, j'ai une porte ici sans rien. Apparemment, il n'y a personne ici. Il y en a une qui était chaude à sortir. Allez. Et on sort. Tout doucement, les amis. Cachette, let's go. J'ai réussi à sortir. Alors, j'ai volé quelques trucs. J'ai pas tout volé. Pour être honnête. Et j'ai trouvé un truc. Je vais vous montrer. Ah, attendez. Je montre après ça. Oh, intéressant. J'ai donc un complice. Magic, I need a briefcase from 108. It contains info about Lombardi's rivals. If we send it to the Lombardi's boss, he might rethink killing you. Hell, he might even think you're useful now. What a way to turn things around. Get me that briefcase pronto. D'accord. Comment ça marche? Pour inviter votre complice à vous rejoindre, sortez votre téléphone, sélectionnez le bouton, appuyez dessus. Elle ne tardera pas à arriver. Vous pouvez lui demander de faire certaines choses comme crocheter une serrure, marquer des habitants ou porter un objet lourd. Jusqu'à votre voiture, inviter. Ok, donc ça fait. Oh. Pardon, donc ça coûte de l'argent. Donc regardez un peu ce que j'ai pris. J'ai pris tout le truc d'iMac. J'ai pris une tablette. J'ai pris deux ordi. Et c'est à peu près tout. En fait, ce que j'avais fait aussi, c'est que je m'étais trompé. J'avais pas cliqué sur la bonne touche. En gros, j'avais. Bah, j'avais fait le con, voilà, disons les choses comme elles sont. En fait, j'avais cliqué pour partir de la. De la. Comment ça s'appelle? De la. Ah, intéressant. De la prison, et en fait, ça m'a juste mis. Ouais, de manière lambda dans la rue, donc bah, j'étais un peu deg. Donc en fait, il a fallu que je me refasse arrêter. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dû faire ça. J'ai également trouvé autre chose, les amis. Je vais vous montrer ça de suite. D'abord, je vais aller au Black Bay. Je pense que j'ai des choses à refiler là. Genre, pour le. Je pense que j'ai tout l'IMAC à donner. Non? Sérieux? Ah, c'est peut-être un objet de valeur. Ouais, c'est ça. 4000 boules? Ah ouais! Oh, ça c'était rentable de ouf. J'ai pas pris tout ce qui était SSD et tout, parce que j'ai juste pas de place. Donc voilà. C'est pour ça que. C'est pour ça, les amis. Pièce de voiture là, ok, j'ai plus rien. Ok. Et du coup, j'ai quoi dans mon coffre? Hein? Dans ma besace? Et je vais vous montrer, en fait, quand tu viens là dans compétences, en fait, tu peux cliquer. Vous voyez ici. Tu peux activer. Et en fait, pendant 3 minutes, ça va t'afficher les trucs. Vous voyez? Alors bon, là, du coup, j'ai rien qui vaut ce prix-là, mais je me demande si quand tu te balades, en fait, ça peut être le cas. On va voir. On va vite tester ça. Et après, on va y aller. Vendre tout. Donc là, j'ai le téléphone fixe. J'ai ça. Bon, on se fait un peu de thunes, là. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai également. Ouais, j'ai deux ordis, donc ça, les ordis sont fermés à clé. Faut que j'apprenne le piratage, mais pour l'instant, j'ai pas. Alors, je vais mettre tout ça à la banque. Je pense que ça peut faire un petit peu d'argent. Ça, c'est cool. En vrai, je garde un peu d'argent sur moi quand même. Là, j'ai 5000 en banque. Là, on commence à être blindé quand même. Faut pas déconner. On va tester ce que j'ai dit. Regardez. Hop, on démarre. On va par exemple à Madison Street. Ah, c'est ça en fait. C'est tu peux vendre chez toi, mais apparemment, ça, il s'est revendu moins cher. Bon, après, j'ai envie de dire. Alors, attendez. Admettons ici, voyez. Est-ce que ça marche? Est-ce que ma compétence est active ou pas? Parce que si elle n'est pas active, ça sert à rien.
Si elle est activée. Et là, j'ai peut-être rien. Là, j'ai peut-être rien ici. Attendez. Admettons. Non, à mon avis, il faut peut-être que je le mette quand je suis. Comment ça s'appelle? Quand je suis dans une maison ou quoi. Vous voyez? Mais en vrai, c'est pas mal. Ça t'affiche les objets en fait en surbrillance. Tous ceux qui sont à plus de 100 balles. Et pour le coup, ça, c'est vraiment une dinguerie. Hein. D'ailleurs, attendez. J'ai pas mis une caméra là, fait un temps. Non, il manque du temps encore. Ok. Donc voilà, bon, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que voilà, ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie. Que cette prison, ça vous a vraiment. Eh ben, amusé, franchement, j'ai galéré. J'ai mis un bon, je pense, 5-6 essais. Parce qu'en fait. Ah, vous voyez? Là, ça m'a affiché les trucs, vous voyez? Donc, dedans, là, il y a des choses. Oh, attendez, attendez. Sérieux, je le gêne, putain. On va se mettre au parking, on va tester ça. Alors, j'ai perdu un peu d'argent bêtement, mais bon. C'est pas grave. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. C'est quoi le code ici? Alors, je crois que j'ai eu un code de livraison dans les notes, pour être honnête. Non, j'ai rien. J'avais pas un truc. Attendez. Dans le poste de police, j'ai pas eu un code? Attendez. Bah, zut alors. zut. Bref. Parce que là, en vrai. Mauvais code. Ouais, à mon avis, je dois trouver des choses pour récupérer tout ça, vous voyez. Donc on voit, il y a un style de téléphone. C'est quoi? Un badge, on dirait. Ou un disque dur, peut-être. Donc voilà, bon, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.